2 heures d'exclu. Énergie Featuring. Le dimanche soir sur Énergie. Energy. 2 heures d'exclu. C'est Énergie Featuring. Featuring. Spécial Simple Plan. C'est Simple Plan dans Energy Featuring. L'album est dans les bacs. Le concert avec Energy le 24 avril au Bataclan. Place de concert, album à gagner par SMS 611-12. Le live de Simple Plan dans quelques minutes sur le titre When I'm Gone. Mais c'est pas grave, c'est pas, t'as le droit de te moucher en direct. J'avais fermé mon micro. Mais oui, non, mais c'est pas de souci. Dans un monde. T'es là, chez ta porte. Où le rhume se propage parfois. Un homme essaie de le combattre. Un live homme à la radio. Sébastien contre le SARS. Un homme et quatre mouchoirs. Bon, juste avant le live sur When I'm Gone, on envoie le questionnaire Energy Featuring. Les garçons, le disque que vous écoutez le plus actuellement. Chacun à tour de rôle. Ah. Pierre. Ouh. Bah, moi, depuis deux jours, j'écoute beaucoup un nouveau disque qui est pas sorti encore et puis je trouve qu'il est vraiment fantastique. C'est Louis XIV. Louis XIV. Un bon disque pour dans les parties. Ah, surtout ouais, en Espagne. Louis XIV. Ils viennent d'où? Ils sont de New York. Ils sont de Californie. Californie. Ah bon? Ah, moi, je croyais que c'est l'Angleterre. Pierre, il croit que mec... tous les groupes viennent de l'Angleterre. C'est un mec qui fait tout. Il produit, il joue tout, il chante tout. Alors, Sébastien, ton disque préféré? Louis XIV, hein. Sébastien. Moi, j'écoute beaucoup le nouveau Jack Johnson. Ah, il est bon. C'est sorti il y a deux jours. Ah oui, super. C'est bon, il est bon. C'est très très bon. J'adore Jack Johnson. Moi, c'est un vieux disque, hein, c'est les Killers. Les Killers? J'aime bien, ouais. Quel morceau? Ah, mais en moi, particulier. Ma tune préférée, c'est quoi le nom, là, celle avec la vidéo au Japon, là? Non, ouais. When You Were Young? Non, le troisième single. Sam Stone? Non, la vidéo, je connais pas. Ah, c'est quoi, ben, non, avec Something non, ouais. Is Real. Mais c'est pas ta chanson préférée si tu connais pas le titre, hein? C'est ben, quoi, écoutez, non, je l'ai entendu écouter chez lui, là. Bon, ben, enfin. Un vieux, le vieil album, Somebody Told Me. Non, c'est l'autre album. Sur Sam Stone. Sam Stone, ouais. The Killers en tout cas. The Killers. Pour toi. Ouais, j'aime bien. David. Alors, moi, je vais choisir Feist. Feist? Oui, c'est une chanteuse canadienne. Ouais. Elle a des paroles incroyables et elle a beaucoup d'émotions dans sa voix. Alors, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est Feist en France. Ah, vous dites Feist? Ça s'écrit comment? Ça dépend. F-E-I-S-T. Non, tu peux dire Feist, non? C'est Feist. Ben, c'est Feist. Ouais. Je veux dire Feist. Mais c'est bon. Voilà, ouais. Oui, alors, c'est Feist. Alors, Feist, c'est fantastique. Moi, j'écoute constamment Vanessa Paradis. Vanessa Paradis? Non, je déconne. Ah oui, c'est une bonne meuf. Cobra Starship. D'accord. Cobra Starship. Ah oui, c'est très très bon. Ok. Vraiment. C'est The Cobra Starship. Ça a été produit par Patrick Stump, le chanteur de Fall Out Boy, puis c'est une incroyable CD. C'est bon. Si vous étiez un groupe de meufs, les garçons. Un groupe de meufs? De filles. Spice ouais. Girls. Ben oui, Spice Girls. Ouais. Moi, je serais Posh Girl, parce que je pourrais me toucher tout le temps. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Tu pourrais aussi toucher David Beckham. Ça, non. Tu pourrais toucher, oui, par David Beckham. Ça, c'est un problème. Hein. Ouais, c'est un. Un bon. Groupe de filles. Spice Girls. Les Spice Girls, ouais. À l'unanimité. Moi, je voudrais. Non, un groupe de filles. Ah, Pussycat Dolls. Hello! Ah oui, ah, c'est mais ça. Oui! Ah ouais, Pussycat Dolls. Allez, Pussycat Dolls, c'est belle. Tokyo Hotel. Le dernier chiffre de votre numéro de portable. Allez, Pierre. Dernier chiffre. Alors, c'est 0. 3. 0. 6. 3. 2. Ok. Ouais, un cauchemar récurrent, les garçons. Un what? Un quoi? Des serpents! Hey, des toasts! Attends, un cauchemar récurrent. Un cauchemar. Moi, ça serait qu'on passe une journée de presse à faire comme 15 heures d'entrevue d'affilée. C'est un cauchemar que j'ai fréquemment ces jours-ci. Les serpents, Pierre. Ça, c'est David. Les serpents, c'est David. Il se réveille dans l'autobus de tournée. Et puis, il crie là. Des serpents! Ouais, mais après ça, je me tasse le rideau, c'est Pierre que ça graine. Il faisait juste se perturber. Sébastien, cauchemar récurrent. Moi, c'est les journées de presse. On dirait que je les anticipe dans mes rêves. Et je rêve que ça va arriver, que ça va être pire que ça va être. Chuck. J'ai pas vraiment de cauchemar. Non, come on. Je te jure, honnêtement. Come on. Mais j'ai rêvé à la fille sur laquelle j'ai écrit les chansons souvent. Ouais. Et ça finit mal. C'est un cauchemar, ouais. Ouais. Moi, je rêve que je cours sans cesse, sans m'arrêter, et puis que j'ai soif, et puis il n'y a pas d'eau, hein. Je croyais que t'aimais ça courir, Jean-François. Pas ce point-là, non. Votre blague préférée, les garçons? On va demander à Jean-Claude la blague. Eh oui, celle du téléphone. Allez, raconte-nous une bonne blague, là. La blague préférée. Jean-Claude, la blague. Blague. Quand il n'y a aucune... Moi, j'en ai une. Moi, il y a un lapin qui rencontre un ours dans la forêt. Ouais. Et puis, l'ours, il demande au lapin, « Est-ce que tu as un problème avec la crotte qui reste prise dans ta fourrure? » Et puis, le lapin dit, « Ben non, j'ai pas ce problème-là. » Alors, l'ours, il ramasse le lapin et il se frotte le cul avec. N'oubliez pas que c'était un ouragan, hein. Il y avait des gants.
David, ta blague préférée, vas-y, parce que je pense que... Il n'y en a aucune que je peux dire à la radio, quoi. Ah, elles sont toutes... Elles sont toutes extra-dead. On est tard, là, c'est bon, tu peux peut-être... Très. Non, je pense pas. Non, d'accord, ok. Jeff. Ah, moi non plus, je connais rien que je peux raconter à la radio. Chuck. Ah ben, attends, connaissez-vous la joke de l'assiette? La quoi? La joke de l'assiette. Elle est plate. Elle est plate. C'est qui le plus vieux russe? Le plus vieux russe? Ouais. C'est qui? Itof Meyachev. Ah, c'est juste les Québécois. C'est quoi des bobettes en russe? Des bobettes? Comment on dit ça, des petites culottes en russe? Askamouf la touffe. Askamouf la touffe. Je la connaissais en japonais. Ah ouais, c'est ça. C'était ça, c'était en russe, je crois. Cache ta touffe. Cache ta touffe. Sébastien, une blague vite fait. Une prostituée en russe. Comment on dit? Altruslak. Altruslak. On peut pas tomber plus bas. Voilà. C'était le quart d'heure. Je peux pas faire moins de 18 ans. Et Charles renversant nos partout. Oh fuck. C'est pas grave. La chanson que vous auriez aimé chanter en premier. Pas forcément de vous, une chanson que vous auriez aimé dire, tiens, ça c'est de Simple Plan. Wouldn't it be nice, the Beach Boys. Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long. Malade. Super. Moi je choisis toujours Everlong des Foo Fighters. Ça là, ouais. Une belle pièce de chanson. Ouais, c'est bon. Allez, un petit bout alors les garçons. Everlong, très bon. Un petit bout les garçons alors. Everlong, oh c'est dur à chanter ça. Donne-moi une guitare. Everlong, elle est bonne, hein? C'est quoi non? Donne-moi une guitare. Hello, I'm waiting here. La chorus c'est. C'est quoi non? C'est. Never be this real forever. Allez, on prend la guitare, tac, vite fait. Everything will never be this real again. Moi, on était dessus. Alors attention. C'est bon. Mets-toi bien devant le micro, Sébastien. C'est moi qui l'a commencé, bah d'ailleurs. Allez. Everlong. Tonight, I've thrown myself into. Out of my head, she said. Il a reste. Ba-da-da-do. And I'll do. Sit alone with you. Wouldn't it be this real forever? Anything would ever be this real again. The only thing I ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when. She said, oh oui! Bravo! Oh, yeah! Les Simple Plan sont avec nous ce soir dans Energy Featuring. On poursuit le questionnaire là en speed. Le truc que vous n'avez jamais osé avouer en interview. Moi je pisse toujours dans la douche. Quand tu te laves le matin. Il fait pipi dans la douche. Ouais. D'accord. Jeff. Je sais pas. Hein. Chuck, Sita, Sébastien, Pierre. Voilà, wow. Le truc que vous n'avez jamais osé dire en interview. J'ai menti à propos de mon âge. J'ai 26 ans. J'ai couché là, avec Ségolène Royal. On l'avoue là, les 5 Philippines. J'ai tout dit là, j'ai tout dit moi. Aussi, je raconte tout. Je suis un livre ouvert. Ouais. Right. Désolé. Si vous étiez président, quel est le sujet que vous traiteriez en premier? Carla Bruni. Ouais, c'est bien. Je la traiterais, hein. Ah oui. Ouais, vous tenez au courant un peu, ça vous intéresse là. L'actualité française, mais c'est fascinant vos présidents, j'adore. Il n'y a pas ça au Canada. Non. Vous avez super Playboy international là. Le dernier qu'on avait c'était Pierre-Éliott Trudeau. Lui il ramassait des Playboy, hein, des Playmates, c'est tout. Elle est venue chanter un peu Carla Bruni en... Bon, on s'en fout, Canada. Hein. On s'en fout dans la chambre. En tout cas, moi je la laisserai chanter. Je laisserai t'en chanter dans mon micro, hein. Oui. Ce que vous faites juste avant de monter sur scène. En fait, quelque chose qui s'appelle le pound. C'est-à-dire. Alors, c'est point sur point. Point sur point, en fait. Alors, bon show. Tous les points qu'on est, vous checkez. That's it. Ouais, c'est un petit pas check. De prière, hein, pas de niaisage. Où vous vous voyez dans 15 ans, les garçons? Sur une chaise roulante, sur un stage. Dans un bordel quelque part à Mexico City. Moi, j'allais dire dans un bordel, mais au Brésil. Viva la tequila! Non, sur un terrain de golf. Sur un terrain de golf, moi. Et sur une scène, hein? Ouais, toujours dans la. Au Stade de France. Ah oui! Oh, ça serait bien. Ça pourrait être un rêve, ça. Non, mais ça, c'est un rêve. C'est un rêve.
Je pense que ça va toujours rester un rêve. Non, c'est pas plein. Bon, c'est Simple Plan dans Energy Featuring. On va vous laisser faire le live sur When I'm Gone. Parfait. Y a pas un petit cri de guerre avant un live? Y a pas, non, c'est juste le check sur le point. Y a pas c'est de... juste le check, c'est du respect, man. Bon, les derniers messages pour Simple Plan par SMS 6 11 12. Et le live, comme promis, c'est When I'm Gone et c'est dans Energy Featuring. Bon week-end.